Bonjour frère Maxime, comment nous est? C'est JFL Cuisine Créole. Jean Fédon lundi, votre chef à la maison qui rentre la canou, moi dis nous merci. Merci pour confiance nous, merci pour fidélité nous et merci pour bouche à l'oreille nous continuer à faire pour moi et abonnez-vous à monter. Je dis là, moi je vais faire une crémasse pour nous de menthe. Tout le monde qui connaît maintenant son feuille qui est vraiment très très bon en thé. Mais cette fois-ci, nous allons faire une crémasse avec elle. Quand il y a là, mes feuilles de menthe là, moi gagne 60 grammes là. C'est beaucoup là. Moi gagne 3 tasses de lait. Moi gagne 1 tasse de milk cocoy. Moi va venir à l'autre ingrédient mais va montrer nous qui ça va faire. Un blender là. Moi déposer tasse de milk cocoy là-dedans. Même mettre 3 tasses de lait là-dedans. Kounya là, moi va blender lait là avec cocoy. Pour qui ça moi mettre cocoy là-dedans parce que cocoy c'est lui-même qui va renforcer l'ait là pour le faire vraiment une crémasse. Moi parti. Quand y a là une fois que cocoya et l'ait là bien gagé, mais l'ait moi là avec toute ma cocoya là dedans, moi venir avec un chaudière et un chinois étamine. Si toutefois ou même ou besoin chinois étamine ça et puis me gagne l'autre toujours. Nous pouvons aller sur côté en bas vidéo à côté marqué recette yo. Nous avons un lien en l'air qui marqué amazon.ca/JFL cuisine créole. Nous cliquons sur lui et puis nous avons un magasin de JFL là. Et puis nous avons tout genre de bagages ça. On a besoin de commander sur lui. N'importe quoi tout à travers le monde. Nous avons besoin. Regardez ça me fait. Chaudière bien sec. Feuille de maintenant aussi bien séchée. Il n'y a pas de l'eau là-dedans du tout. C'est très important pour ne pas gagner de l'eau. Les nous laver pour nous sécher, pour nous mettre de côté. Et moi, je prends un chinois étamine, moi déposer là, puis moi vider. Moi vider l'être là avec jus cocoya là-dedans aussi. Je pèse les. Faut nous faire très très attention pour ne pas gagner de l'eau tomber là-dedans. Moi mettre un petit fait tranquille en bali qu'on a là pour moi faire les chauffer. L'aime dit chauffer me parle de bouillir pour bien chauffer pour mal chercher tout goût qui gagne maintenant pour descendre dans ça et puis qu'on a c'est ça qu'on fait comme ça. Bam les mets les, moi mettre là à 5. Pendant que moi garder les commencer à chaud, elle dit me mettre du feu pour les monter. Dit pas bouillir pour le faire cuire. C'est très important pour nous éviter ça hein. Qu'on a là pendant commencer à monter là la chauffer. Qu'on a qui ça me fait, moi venir avec un tas de sucre, moi déposer là-dedans. Pour qui ça me mette sucre ça là-dedans là, sucre ça pour aider pour moi à le faire feuille là tomber. Tomber ça veut dire aller chercher tout jus qui est dedans. Parce que sucre là pour le pénétrer lui, qu'on a là pour faire rendre tout jus qui est dedans là. Qu'on a en aller. Ma continuer brasser là de temps en temps, mais pas oublier ça me dit nous puis gal bouillir. Ça sent bon. Moun ki kon fè teman, nou gita konnen koman ça senti bon. Menen la, ça fait presque 25 minutes depuis la chauffe. N'ap remarke la, li pa bouye. Hein? Et puis le n'ap gade tout mantan fin tombe. Et ça, ça veut dire tombe. Tombe, moi pren le maximum. Pa bliye tout produit que nous aime utiliser, tout chaudière, pince, couteau. Nous avons utilisé, allez en bas vidéo, on a un lien, puis c'est sous lui. Lien, ça c'est un lien amazon.ca, JFL Cuisine Créole. Allez sous lui et puis nous avons tout ça, moi utilisé, moi mettez là pour nous, nous commander à partir de place ça. Il est fini. Moi quitter là avec toute ma, qu'on a pas mettre dans le réfrigérateur pour bien refroidir. Maintenant, moi venir avec là, qu'on a, ouais, c'est très très froid. On a vraiment qu'il change même couleur, il est venu tige en vert. Même venir avec un quart de tasse de sucre, moi mettez là-dedans. Et puis moi venir avec une petite cuillère de zeste de citron, moi mettez là-dedans. Moi pour le brasser. C'est bien vert. Tout zeste citron et maintenant goût alcoolé ensemble là. Là moi venir là avec une seule petite cuillère de jus de citron, moi déposer là-dedans. Qu'on y a là, moi pour le couler.
qu'on a là, moi venir avec 4 tasses de lait condensé, moi mettez là-dedans. Moi mettez 2 cuillères d'essence vanille. Moi brasser. Une fois que moi fin brasser là, qu'on a là, moi mettez 2 tasses de rhum Bamako. Qu'on y a là, m'a quitté là, m'a quitté ça là pendant au moins 15 minutes pour reposer. Mais après 15 minutes, moi venir. Moi brasser les, c'est parfait. C'est correct. Qu'on a nous planté noix nous, on va le verser. Mais que va ça là? T'es chargé. Qu'on a là, on va le verser pour nous. Ouais. C'est parfait ça. Ça fait 3 jours que ça a été fait lui-même. Parfait. C'est excellent. Ça, c'est une crémasse de menthe. Tout ça, c'est invention pas nous. Et objectif chaîne, non, lorsque vous venez sur lui, c'est ouais, bagaille qu'on pas qu'on habitué ailleurs. Même si vous connaissez déjà ailleurs, moi-même, moi, pour tes touches spéciales, pam. Qu'on a nous voir goûter. Ah! C'est l'enfer. C'est excellent. Beaucoup jamais goûté yon crémasse qui bon comme ça dans la vie. Allez, c'est pas oublier partager vidéo hein. Quel que soit produit que nous besoin qui gagne rapport avec cuisine, nous parler en bas vidéo à notre un lien de amazon.ca/jflcuisinecreole. N'a besoin tout ça nous gagne besoin à partir de là et puis nous gagne droit commander sous lui, d'accord. C'était JFL Cuisine Créole, Jean-Fédolin dit votre chef à la maison qui entre la caille. Nous merci, au revoir.